Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Galden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre découverte de Rogue X, ce Civ-like, Rogue Builder, Deck Builder, pardon, Rogue Like. Je m'étais arrêté avec la construction de ma deuxième ville. Et on va continuer la découverte. On va se balader. Là, on voit que c'est un peu bloqué. Hop, les archers vont pouvoir explorer par ici. Alors, j'ai une pyramide à construire. On voit que je peux la construire grâce aux diamants. J'en ai récupéré 4, hein, puisque j'en avais eu un par mon archer qui a la compétence qui lui permet, quand il tue une autre unité adverse, il gagne un diamant. Et puis en détruisant le campement barbare qui était par là, ça me faisait des diamants. Donc je vais pouvoir directement lancer la construction, ce qui est plutôt sympathique. Je vais la faire par là, par exemple. Tac. Je vais pouvoir utiliser Festin. Ça va me coûter 2 de nourriture, mais ça va me permettre d'augmenter la croissance de mes deux villes, ce qui est plutôt intéressant. Là, je vais élargir avec l'autre nourriture qui me reste. Je vais aller prendre. Ça, c'est du développement, oui. Mais de toute façon, avec le four, il me reste quoi? Il me reste un point. Ça, c'est quoi? C'est la production. Et hop, là je vais pouvoir me développer aussi ici. C'est bizarre que j'ai pas découvert ça. Ça va être une colline encore. Alors là je pourrais hein, dépenser un diamant pour utiliser la labeur, ce serait un peu trop. Par contre, bah, il me reste encore 2 de bouffe, donc je vais pouvoir tac, passer direct au niveau suivant. Les montagnes d'un revenu. Un sanctuaire plutôt sympa ou un paysan qui va me permettre d'exploiter bon c'est pas permet d'exploiter les ressources mais c'est lent, ça prend 4 tours. Ah, on va prendre des revenus de foi en plus, ça permet de faire plus de reroll le cas échéant, et je termine mon tour. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir upper ou drafter ou remove? Je pourrais améliorer mon pionnier histoire que. Mais bon, c'est pas fondamental en fait. Non, je vais enlever des cartes qui me servent moins. Comme par exemple. Le schéma qui est un peu en trop. Deux schémas, c'est beaucoup. Alors, ici. Tac. D'accord. Donc là, il y a de la poiscaille. Mais je ne vais pas pouvoir en bénéficier. Et puis là, ah oui, là, il y a du café en plus. Tac. Ici, on va récupérer. Ah, je peux améliorer une carte. Ça, c'est pas mal. Je peux améliorer une carte. Bah, tant qu'à faire une carte que j'ai en main. Une carte qui est dans ma pioche. Plus de science. Plus de science. J'ai 7 points de main-d'œuvre maintenant. Donc je vais commencer à piocher les cartes en plus. Hop, améliorer ça. Par contre, voilà, c'est à chaque fois, c'est. On augmente un. Piocher une carte de plus, ça coûte 1. Piocher 2 cartes de plus, ça coûte 2. Et ainsi de suite. Là, je vais pouvoir élargir jusqu'ici, ce qui me donne de la science en plus tous les tours. Je vais aussi pouvoir hop, choper le poisson, plus de développement. Pas mal. Ouais, j'aurais pu aussi développer Londres pour aller choper le mouton ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller explorer un peu. Ben voilà. De la nourriture en plus. Il m'en reste un. Je vais pouvoir justement aller choper mon mouton en plus. Tac. Là, on peut présumer qu'il n'y a plus grand-chose par ici. Bim.
Les collines en hauteur, c'est pratique pour découvrir. Yo. Donc, tac, tac. Bon, j'ai déplacé tout ce que j'avais à déplacer. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux. J'ai encore pioché une carte. Et bien voilà. Tac. Une découverte en plus. Et je passe à l'ère classique. Je découvre deux fers, je découvre les hoplites. Hop. Deuxième ère que je vais pouvoir exploiter correctement. Puisque le jeu va s'arrêter dès que j'arriverai à l'ère médiévale. Et il n'y en a que trois pour l'instant. Il me reste une carte, bah, je vais jouer schéma, de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à faire. Ah si, si. Eh ben non. J'ai pas grand chose d'autre à faire parce que mes deux pièces d'or me suffisent pas. Ouais, là je peux pas me le payer. C'est un peu con. Alors j'aime bien dans Exarchie, hein, on peut se le réserver pour le prochain tour, mais là c'est pas possible. Donc je vais utiliser mes plans en plus. Je vais me rapprocher par là. Puis on va aller à la chasse ici. Hop, fin de tour. Et j'ai construit les pyramides. Du sommet de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent, vous contemplent. Merci, monsieur Napoléon. Monsieur de Bonaparte. Je vais encore m'enlever une carte. Je vais m'enlever. Alors, recrute le. La bouffe en plus, c'est toujours bien. Mais il y a un moment où c'est pas indispensable non plus. Quand on a une nouvelle ville, c'est bien, mais. Le truc, c'est qu'ils sont améliorés, donc c'est un peu dommage. J'ai pas mal de revenus de labeur, donc je pourrais me dire d'enlever ça. Hop. Ah, là j'ai un guerrier qui arrive. Donc on va lui dire comment ça se passe chez nous. Hop. Ça se passe à coup de flèche. Tac. Sauf que là, je vais me faire tirer dessus aussi. C'est un peu con. Ouais, c'est assez con. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et ensuite, je vais me guérir. Tac. Wouah. Et je vais pouvoir me faire une autre ville. Que je vais pouvoir faire. Alors comme je suis arrivé à l'ère classique, j'ai découvert une nouvelle ressource, le fer. Je pourrais imaginer par exemple m'installer par là, ce qui me permettrait d'accéder facilement à ces deux ressources-là. Il faut faire gaffe par contre, parce que quand on se fait prendre une ville, c'est instantané. S'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de, d'unité dessus, c'est défoncé immédiatement. De moins. Ah oui, c'est parce qu'il avait eu un truc pour aller plus vite, c'est vrai. Ou sinon, plus au nord où c'est un peu plus tranquille, mais c'est vraiment loin là pour le coup. Ou sinon, je m'installe par là, par là. Toc. Ça me fait aller là, et c'est à deux cases de distance. Ouais, c'est peut-être mieux. On va faire ça de façon, on va recruter le pionnier ici. Et puis on va le faire aller doucement mais sûrement. Je vais utiliser hop, mon schéma. Ouais, là il me dit carrément ici. Ouais, la limite. Non, mais par contre, le schéma, je vais l'utiliser pour en fait l'écarter lui. Je vais retourner ici. Et puis je vais piocher les cartes en plus. Observons les étoiles. Ou comme disait. Ah, dommage. Comme disaient les proches, observons deux papillons. Si vous avez la ref, je vous aime bien. Si vous n'avez pas la ref, je vous donne moins. Tour suivant. Je pense que. Ah non, lui, je peux le déplacer. Je vais peut-être rapprocher un cac.
Voilà, j'ai mes 2 points de foi qui me servent pas. Dommage. C'est bien, pourtant je l'ai soigné. Là. Alors voilà, les barbares s'améliorent aussi. Oh, merde. Il va vite, lui. Ok. Donc là, si je fais rien, il me défonce. J'ai pas prévu de ne rien faire. Mais il lui suffit d'un point de vie, hein, techniquement. Donc, il faut que j'aille là. Pour le tuer. Yes, level up. Alors... Il bonus dégât to distant target. Plus de mouvement... Plus de mouvement... Bah non, bah tant qu'à faire. Ça permet de... Si on se recule, on fait plus de dégâts, c'est... Hop, je vais me mettre là. Et je vais m'installer ici. Tac. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Revenu. Je peux drafter une carte, pourquoi pas. Recruter un hoplite, pourquoi pas. Vu que je vois du monde par ici. Hop, je peux le mettre ici. Et bam. Pendant les dents. Ah, de la prod. Hop, qu'est-ce que je pourrais. Hop. Ça, ça le fait apparaître au niveau 2. Ça, ça commence à être vraiment bien, puisque comme j'ai 3 villes, ça fait plus 3 de croissance. Ça devient vraiment intéressant. Et puis ça tombe bien parce que je l'ai, sauf que je peux pas la jouer. C'est un peu dommage. Hop, monter le niveau. Et du coup, voilà, donc là, je passe maintenant à l'ère classique. Et du coup, bah, celle-ci, je pourrais pas la voir. Je suis un peu dégoûté. Et on est bloqué, en fait, sur, sur toutes les connaissances de l'ère antique. C'est un peu pénible. Est-ce qu'il y en a une autre que je peux débloquer que je connais pas, là, par exemple? Il y a le béton. Mais je l'ai déjà débloqué. Drame. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Production. Donc ça me permet d'améliorer ma prod. Forme platonicienne, rédiger une copie de n'importe quelle carte de bibliothèque. Est-ce que je peux doubler une autre carte? Ça peut être fort sur les... Je sais pas si on peut avoir deux fois la même... Deux fois la même... Je vais y arriver. Merveille. Alors, je pourrais aller chercher dans les objectifs économiser 10 nourriture dans le stockage. Je vais essayer d'aller chercher ce succès-là que je n'ai pas encore réussi à avoir. Et du coup, je vais aller chercher le grès. Histoire de me construire un grenier. Pour ça, j'ai besoin de bois. Et de points de mouvement que je n'ai pas encore. Enfin, de points de main-d'œuvre. Là, lui, il va se faire attaquer par le guerrier, c'est sûr, il va en prendre plein la fouille. C'est pas cool. Toi, tu vas descendre par là. Et toi, tu vas continuer d'explorer les contrées lointaines. Voilà, ça, c'est le genre de découverte que j'aime bien faire. Stockage de nourriture. Ceci, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 3 points qui me restent? Je vais piocher une autre carte. Et je vais faire fourrage, labeur et festin. Hop, comme ça mes 3 villes en bénéficient. À Londres. Londres peut recruter un ranger, qui est la version améliorée de l'explorateur. Donc ça lui donne de l'attaque à distance, une bonne capacité de mouvement. Ça c'est cool aussi, ça donne en gros un niveau de plus à chaque unité qui apparaît dans la zone, c'est fort quoi. Je vais certainement être amené à en faire d'autres. D'ici quelques tours, là je vais pouvoir améliorer Wambayama. Alors je pourrais essayer d'aller chercher ça aussi. Ça me coûtera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se fait. Allez. 1.
Et puis ça, hop, à manger. Stockage d'or en plus, des murs en bois, plus de d'armure ou un archer. Stockage de l'or, ça peut être sympa. Ça peut être sympa parce que je m'en sers pas tous les tours. Et quand t'en as besoin, t'es content. Est-ce que j'ai utilisé? Alors j'ai, il me reste de la foi et dont je ne me suis pas servi encore. Tout le monde s'est déplacé. Oui. Tour suivant. Ouais, ça va vite. Ouah, 7. Oui, puisqu'il s'est mis. Et oui, et puis en plus, il faut que je le tue tout de suite. Ah, ça va, j'ai un hoplite que je peux recruter. Je peux le recruter là. Le problème, c'est que si je veux bénéficier de ce que j'ai chopé tout à l'heure, à savoir le level up. Allez, je vais le faire. Du coup, ça va être un bon attaquant, lui. Allez. Je vais le mettre là. Et. Alors, on va l'affaiblir un peu. Alors, on va voir, ce serait intéressant que je puisse lui péter la tronche. Ah oui, là, je le one shot carrément. Ok. Alors, dans ce cas-là, si je le one shot, je le fais. Ensuite, là, je vais faire ça. Et je vais l'amocher. Et je vais le terminer. Comme ça me fait un diamant en plus. Hop! C'est tout bénef. Hop, une pouliche. Croissance pour tous. Level par Rock Island. Plus un de revenu d'or par tour. Améliorer, rénover. Ça, c'est bien. C'est bien parce que j'ai encore ça que je peux améliorer. Hop. Et qui me donne des revenus, des plans de revenus en plus. Hop. Là, on va finir celui-ci. Voilà, donc là, tac. Donc, il level up. Comme les barbares sont passés à l'ère classique, eh ben, il bénéficie maintenant de d'hoplites et puis d'armure de murailles en bois. Et ensuite, ils auront des murailles en fer. Pas con. Chose intéressante aussi, hop, je peux l'améliorer. Ça me coûte. Ça me coûte. Je crois que c'est un fer et trois sous. Et comme j'ai pas de fer et qu'il me manque un sou, et là, ça va me coûter du métal, mais ça me permet quand même d'avoir un hoplite en plus. Et en plus. Ah non, tiens, ça l'a pas fait. Les fois précédentes, quand je les avais fait évoluer. Ça avait réinitialisé le mouvement. Que j'avais trouvé un peu pété. Plus 3 de production quand je discarde. Ouais, ça me fait plus 3 de production par tour, en gros. Sauf si j'ai utilisé toutes mes. Ah oui, non. S'il me reste des cartes, en fait. Ah oui, je peux guérir, ça c'est cool. Je vais pouvoir guérir lui là. Hop, ça me permet d'utiliser la foi. Que je sais pas trop utiliser mon grenier, ça me coûtera un diamant. Allez, c'est pas grave, faut que ça serve. Hop. Je les mets tous au même endroit. Si je rechope un level up, enfin, dans les level up possibles, il y a le fait d'avoir des bonus en fonction du nombre de bâtiments dans la zone. C'est pas dégueu. Il me reste deux nourritures. Et ben on va élargir, ça tombe bien. Tac. Et je crois que j'ai joué tout le monde. Il me reste pas grand-chose. Ouais. Hop. On voit le pionnet commence à coûter très cher. Hein. 5 de main-d'œuvre, 8 de nourriture. Plus on a de ville, bah, plus c'est difficile à construire. Qu'est-ce que je peux up? Tout ça, bof. Est-ce que je peux remove? Bof, non, je
Je vais garder ce que j'ai, donc je vais draft. Scout, archer, hoplite. Je vais reroll. Alors, inflige 2 dégâts, 2 plus 2 pour chaque volée en jeu. Ok. Ou alors, transformer un point d'action en un d'or. Ça, j'aime bien. Puis ça peut peut-être s'améliorer en plus, donc ça peut sans doute s'améliorer. Là, on va aller chasser le plit. Je vais le mettre ici. Hop. Ah ouais, là, je lui fais carrément pas de dégâts, quoi. Ouais, parce qu'il a de la fortification. Bon. Bien. Ok. Alors, bah, on va essayer la volée. Ah oui, c'est d'accord. C'est 2 de dégâts bruts. Hop. Fourrage, et puis je vais me faire une autre ville. Comme j'ai assez. Ouf, je sais pas bien. Là, c'est quand même vraiment loin. Ancel, l'unité devient cavalier. Waouh, nice. Qu'il est un peu en train d'explorer, ou alors un pionnier cavalier. J'imagine ça lui rajoute. Ouais, 3 de mouvement. Hop, et si je fais un hoplite cavalier, ça fait quoi? Attends, est-ce que ça donne d'autres bonus? Plus 3 de mouvement, oui d'accord. C'est juste plus 3 de mouvement. Bah, puisqu'il est un peu en mode explo, on va le laisser en mode explo. Hop. Hop. Améliorons ça. Hop. Donc une autre ville, une quatrième ville. Là, il y a des trucs plutôt sympas. Là, il y a une ville par là, là. 1, 2, 3, 4. Et c'est vraiment loin, quoi. Ouais, c'est pas grave. Allez. On va tenter, on va partir de là. Je peux lui faire escalader les montagnes, je peux avoir un guerrier gratuit. Est-ce que j'ai besoin d'un guerrier en plus? Pourquoi pas? Non. Plus un citoyen, ça fait de la main d'œuvre les citoyens. Yeah. Toujours pas mal. Yeah. Hop, un petit bois au passage. Mmh. Lui, il a de l'armure. Alors tout seul, ça sert pas à grand chose d'essayer d'attaquer. Hop, on va envoyer lui en plus. Là, on est bloqué. Il est où son archer? Bien. Il me reste encore un sou et 2 cartes. Enfin. Alors, plus de fer, charmine. Les mines, la mine, je l'ai déjà. Alors, sauf que. On pourrait greffer, ajouter une culture aléatoire sur une tuile. Plutôt sympa. Plus de taille de la main et grand phare, oui, qui n'est utile que si on a des navires. Donc, si on a développé la navigation. Char. Pas que j'utilise mes canassons, ce serait drôle. Je l'ai jamais fait encore. Ah oui, ou alors. Ou alors. Oui, parce que là, je peux en faire une de mine, en fait. J'ai parfaitement de quoi faire. Donc, hop. Allez, go. Ça fera plus de. Ce qui est con, c'est que je peux pas la faire à ce tour-ci, du coup. Mais. Ah, tant pis.
Et ben, enfin, mon grenier qui se termine. Alors, qu'est-ce que je peux up? Ah oui, donc je pourrais améliorer mon cuivre, qui est une carte temporaire, mais qui me ferait améliorer mon revenu plutôt que d'avoir du one shot. Mais la prochaine fois que je le repiocherai, ce sera de nouveau du cuivre de base. Et ça, si j'améliore, 3 plus 2 pour chaque volée en jeu. Et c'est quoi? Garder cette carte dans votre main à la fin de votre tour. Et ça, oui, ça fait une mine gratuite. Gratuite instantanée. J'aime bien ça. Hop. Alors, une petite mine. Ah oui, je peux en faire deux. Le sel, ça fait quoi? Le sel, ça fait de la nourriture. La fonte, ça fait du fer. Et le cuivre, ça fait de la prod. Est-ce que je veux plus de bouffe? Pourquoi pas? Ou plus de prod? Allez, plus de bouffe. Donc lui, on va lui faire pium pium dans sa tête. Ou pas? Yo. Yo. Si, on va lui faire pium pium dans sa tête. Alors là, je pourrais aller ici, mais sur les collines, bah, j'ai une meilleure défense. Donc je vais le mettre là. Est-ce que lui, du coup, voilà, on va la moucher. Hop. Ah merde, sauf que du coup, je peux aller que là. Hop, level up. Alors, j'ai déjà un mercenaire dans le coin, donc on va pas le faire. Plus de cas de. Ouais, tu vas te défendre. Yeah. Là, l'avantage, est-ce que j'ai le bonus de flanking? Oui. Bim. T'es tout mort. Là, j'ai du bois. Hop. J'améliore ça et je prends mes plans en plus. Alors, ici. Et on va quand même l'aider à monter un peu vite. Ah, là, ça peut être pas mal aussi. Hop. Améliorer une carte. Quoi sinon? Plus 3 de nourriture. J'ai pas une percée, non. Ça peut être un peu overkill. Allez, go. Go pour de la bouffe en plus. Allez, là on va lancer. Oui. Lui il a de l'armure. De toute façon, j'observe les alentours. Là, j'ai fini mon déplacement, là aussi. Je sais pas pourquoi il ne veut pas me déplacer. La caméra sur les autres. Lui, top, top, top. Ouais, ça c'est chiant, c'est des zones. Non, c'est juste du bois. Go back. Ah oui, j'ai plein de bouffe, j'ai plein de cartes. Est-ce que. Non, j'ai pas de quoi construire ça. Et c'est tout, je vais pas pouvoir utiliser le reste. Alors, on va améliorer. J'ai 11 de bouffe. Je vais aller chercher. Tac, tac. Je pourrais aller chercher ça aussi. Les moutons ici. Ça coûte très cher.
Là, ça me coûterait combien? Ça me coûterait 9. Que je n'ai pas du coup. Pour plus un de production. Ça commence à plus être ouf. Mais. En même temps. Allez. Tac. Et je vais du coup garder ce qui me reste pour pouvoir plus facilement aller chercher au niveau suivant. Au tour suivant. Voilà une mine en plus qui me rapporte plein de prod en plus. Du chevaux, du fait, de la bouffe. Encore plus de bouffe. Tac, du labeur. Ouais, level up. Un petit draft. Revenu de science. Si je reroll, qu'est-ce que ça me donne? Oh, la tour de Babel. Offre des relances gratuites à chaque tour. Ou bien exploiter un minerai. Ce qui est plutôt sympathique. Mais sauf que c'est détruit ensuite. Oh non, j'aime bien une. Comment? Une merveille en plus. Bon, les relances gratuites, c'est pas. C'est pas ce qu'il y a de plus mirobolant, mais. Manœuvre, arbalétrier, moulin, produit carte, bois, ferronnerie optique. Tiens, mais j'ai déjà eu celle-là, la ferronnerie. Comment ça se fait? Ça, c'est étrange. Revenu de main-d'œuvre. Ça, c'est une amélioration nécessairement des archers. Ouais. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Deviner où l'oracle, sélectionner une technologie de l'ère suivante. Ah, ça peut être rigolo ça. Histoire d'aller découvrir un peu ce qu'il y a après. C'est juste que les 5 de fois, ça va être un peu chaud. Bah, si, je pourrais utiliser de l'or. Allez, on va aller chercher la divination. Parce que du coup, comme en fait ça s'arrête au début du Moyen-Âge, je me demande comment il gère. Est-ce qu'il va savoir gérer? Alors là, je peux me déplacer. Tac. Ah ouais, c'est quand même carrément intéressant ici. Deux mines de fer et un cheval. Hop. Voilà, il est là, lui. Je vais en utiliser un. Tac. Pour lui dire de quel bois je me chauffe. Alors, l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir récupérer 3 et du coup, je vais pouvoir construire la tour de Babel ou l'oracle. Eh ben, on va faire déjà la tour de Babel. Là. Ici et l'oracle, j'ai pas assez. On attendra le prochain tour. Mais l'avantage, c'est que donc les points de foi, hein, ça peut être fait avec de l'argent. Là, je peux guérir parce que j'ai avec de l'or, puisque j'ai plus de foi. Est-ce qu'il y en a qui sont blessés? On sur 14. Alors, en vrai. Le plus que j'ai, c'est le 11 sur 14. Mais avec pas de combat dans l'immédiat. Alors, qu'est-ce que tu me proposes là? Rééquiper, ce qui permet d'améliorer une unité. Très bien. Très très bien. Et ben, on va rééquiper toi par exemple. Un arbalétrier. Qu'est-ce que ça a comme stat? 6 à 2 de portée. Et 2 de vue. À la place de 4, d'accord, donc plus 2 d'attaque quoi.
Lui, il s'arrête là. Lui, il a utilisé deux points de mouvement. Lui aussi. Lui, il a ses six points de mouvement. Speedy Gonzales. Ah. Et des vilains ici. D'accord, donc là c'est un cul-de-sac. C'est un peu ce que je me disais, mais. Hop, les mouvements sont terminés. Il me reste encore 5 points d'action et 14 de bouffe. Croissance pour tous. Hop. J'ai de l'or, donc je vais pouvoir utiliser. Voilà. 16 de bouffe. Là, il va. Tac. Eh ben, non, c'est pas toi. Toi là, tac. 5. Je vais aller me chercher ça en plus. Toi. Je vais en utiliser un point. Comme ça, je garde mes 5 et puis j'irai chercher la perle au prochain tour. La volée, c'est hyper pratique en fait. Ah zut, je pensais que c'était l'archer. Toi, tu vas aller ici. Comme ça, tu auras tout directement à portée. Bim. Hop. Drafter une carte, ça me va bien. Un grenier en plus, ça me va bien par rapport à ce que je veux. Alors j'ai plus beaucoup de bois, mais bah, j'en ai un là. Hop. Et puis j'en ai un en bas. Alors ici, combien est-ce qu'il reste de PV? Il en reste deux, lui. C'est quand même carrément une zone de main avec plein de bois, plein de. Ah, un petit duel d'archers. Donc j'ai fait mes unités. Bois de construction. Je sais pas pourquoi je l'ai chopé ou elle. Mais bon, je l'ai chopé. Du coup, je vais pouvoir faire un autre grenier. Hop. Ici, j'ai 9 de bouffe. Là, je vais le garder pour le jouer un prochain tour. Je vais pas m'en fiche un peu d'avoir un pionnier de plus. Limite, je pourrais me débarrasser de la carte en fait, je pense. Hop. Eh bien, très bien, une petite croissance pour tous là avec la ville que je viens de construire. Tac. Et ben voilà, tac. Du coup, à Rock Island, je peux faire 5 plus 6. Pif. 1 de science de plus par tour. Je vais utiliser de l'or pour avoir un peu plus de déplacement. Je pourrais faire ça. Ça. Et là, comme j'ai l'avantage, oui. Alors, je vois qu'il y a lui aurait des blessures et pas moi, parce que bah, c'est moi qui tire en premier en fait. Ce qui est plutôt cool. Là, j'ai pas de deuxième attaque, donc je vais rester ici. Lui, je vais le faire avancer ici. Hop. Tout le monde a bougé, j'ai plus rien à utiliser. Fin de tour. Oh la vache.
Il y a un autre. Bien, construisons une ville et une tour dont le sommet atteindra les cieux et faisons nous un nom, sinon nous serons dispersés sur toute la surface de la terre. La genèse. Alors, je pourrais upgrade ça aussi, qui me coûterait moins cher et qui serait construit en instant. Comme je vais la piocher, ou ça qui me donnerait plus de bois. Ou sinon, je pourrais... Ah oui, parfois il y en a... Sinon, je pourrais enlever mon colon. Ouais, je vais faire ça. Je vais enlever le colon. Tac. J'en ai plus besoin. Lui, on termine. Ça me fait un diamant. Et un level up. Les défenseurs ne ripostent pas quand cette unité attaque. Plus de sympathie. Plus de portée. Sympathique. Yeah. Yeah. Est-ce que là je peux tirer? Oui, je me demandais si les forêts pouvaient gêner éventuellement. Plus 3 de performance et bien contre les camps. Lui, on va quand même le faire avancer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas tiré du coup avec son archer. Bim! Dans les dents. Lui il reste un PV, moi il m'en reste 9. Et j'ai un guerrier, très bien. Tac. Ou alors. Je fais là. Et je m'attaque à lui avec les deux. Ça pourrait être une meilleure idée. Bim. Et bim. On verra qui est-ce qu'on soigne ensuite. Ça, je peux l'utiliser cash sans me poser de questions. Là, je vais déplacer mon petit monde. Je vais piocher parce que il me reste quoi? Bah, il me reste voilà, mon oracle. Je vais tout de suite la faire. Hop, ici. C'est la partie où j'ai les villes les mieux développées, les mieux de toutes celles que j'ai pu faire. Là, je vais bientôt avoir terminé. J'en ai combien? J'en suis à... Ah non, 2 sur 5 seulement. Qui est-ce que je vais soigner avant d'utiliser mon dernier point de... là, j'ai 8 PV, 9 sur 14. 10 sur 14. Hop, ce sera 9 sur 14 qui va le prendre. Observez les étoiles. Alors, foi, plus de stockage de foi. Chevaux, cavalier, pâturage. Les prêtresses qui sont plutôt sympas, qui permettent de soigner les unités. Mais je vais faire un reroll. Parce que j'ai pas mal d'unités. Ah, ça commence. Je voulais essayer de tester un truc. Il y a un truc qui... Un succès qui est difficile d'obtenir. Qui nécessite d'avoir développé le marché. Et pour ça, j'ai besoin de la monnaie. Et donc, je vais prendre les pièces. Hop, les sous dans la popoche. Ah, j'aurais dû piocher. Ah non, attends. Hop, je vais changer. Je vais piocher notre carte. Et du coup, je peux utiliser mon or. Intelligemment. Alors, développement. Londres qui développe. Élargissez les frontières de cette ville. Très bien. Parce que ça, c'est un autre succès que j'aimerais avoir. Voilà, donc ça a augmenté de 1 partout. C'est un autre succès qui est élargissez une ville à 37 cases. Et c'est chaud. Pas combien j'en suis là, je sais pas si je peux le voir, le nombre de cases. Non, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34. Vache. Il en manque 2. 3. 3. Ouais. 3 pour avoir étalé. Qui me donne les étincelles en plus. Eh ben, on va aller chercher ces 3. Ils vont coûter un peu cher, mais... Là, c'est dommage que j'ai pas un bonus du genre toutes les collines dans la zone améliorent, enfin donnent un bonus. Ce serait plutôt sympathique. J'ai encore un peu de mouvement. Je vais pouvoir rapprocher celui-ci. Voilà. Puisque là, il me reste un de bouffe à utiliser. Et le reste, je le garde. Ah merde. Ça, c'est pas cool. 9 sur 8, il me manque un grenier. Qu'est-ce que je peux payer? Ah, je peux améliorer justement mon stockage de nourriture. De cette façon-là, pour passer à 10. Ou alors choper plus d'or là. Ouais, je vais essayer de faire ça. Je vais améliorer mon stockage de nourriture. Je vais essayer de passer à 10 comme ça. Petit buff de croissance pour tous. C'est cool. 2 montées de niveau. 3 montées de niveau. Alors, Rock Island. Je peux enlever 3 cartes de mon deck. Des bâtiments. Alors, je sais pas si dans les bâtiments, il prend en compte les merveilles. Hop. Là, des bâtiments, j'en ai un. 2 et j'ai 2 merveilles. Alors, c'est pas lui. Je vais Lisbonne. Lisbonne, c'est celle-ci. Ah, revenu de science pour les montagnes. Pas mal. Un petit rééquipé. Un petit rééquipé. Ou une invention. Un petit rééquipé. Tac. Alors, donc il faut que je fasse gaffe parce que j'ai vu une de ces unités partir par là. Et il faut en aucun cas. Donc je vais rééquiper lui. Un hôpital à cheval. Je vais aller. Un petit voilà, très bien, du mouvement en plus, histoire de voilà. Mettre là, histoire de le suivre et de l'empêcher de venir. Là, je vais me protéger un peu, prendre moins de dégâts. Alors, je peux lui mettre une petite volée dans les fesses là. Tac, histoire que il me fasse un peu moins mal. Très bien. Et puis derrière ça, on va le bloquer. Voilà une bonne façon de le bloquer. En le tuant. Ah oui, lui, il est solide aussi, je me souvenais plus. Plus un cheval. Là. Alors, qu'est-ce que je peux développer d'autre? Wayzata. Wayzata, c'est ici. Soigner pour chaque citadin de la science. Et des productions pour les bâtiments. Bof. Gagner une percée. Pourquoi pas? Ou un hôpital. Ou un rénové. J'aime bien les rénover plus. Qu'est-ce que je pourrais faire évoluer? Bah, mon grenier. Ah non, les greniers, ça évolue pas. On dirait que non. Alors, on annule, on revient en arrière. Une percée. Ça fait une science de plus. C'est pas indispensable. Oh, ça accélérera un peu la fin de la partie. Marcher. Voilà. Revenu plus un d'or, c'était ça que j'aurais fait. Et à construire. Du coup, il faudra 2 tours. Ouais. J'arriverai pas à faire le.
le succès avec comment avec le il faut arriver à vendre un truc qui coûte 10. Celui-là, là, il est super dur parce que pour arriver à faire ça, en fait, il faut acheter plein de fois. Donc, il faut avoir un stock d'or considérable. C'est chaud, chaud. Alors, petit, petit. Hop. Ah si, je ne peux pas tirer par là. Parce que c'est par-dessus la colline. Celle-là va être chiante à déloger. Je vais attaquer lui. Elle va être très chiante à déloger. Ouais, parce que je vais pas pouvoir les faire tirer. Ouais, ça va être vraiment la misère. Retirer trois cartes. Et ben on va faire. On va voir. Revenu. Attends. J'étais à 25. 25. Et ça me fait 33. Donc plus 8. Donc il considère que j'ai 4 bâtiments. Alors c'est bizarre parce que j'en vois 3. Et j'en ai deux en construction, donc c'est pas tout à fait logique, mais c'est pas grave. Ah, le guérir. Oui, j'en veux bien. Ici. Tac. Voilà, tac. J'en ai encore deux à choper. 7 ici. On va aller faire ce relier là. Hop. Hop, et la dernière au prochain tour. Il me reste 2 points. Vais envoyer l'archer. Ouais. Ou pas. Si. Saleté. On peut donc répliquer autant de fois qu'on veut. De ce que je comprends. Donc là, c'est fait. Alors, ah ouais, le problème c'est que le donc j'explique hein, ici. En fait, le truc sentinelle, il l'a à chaque tour. Donc dès qu'une unité se colle à lui, il va faire son attaque. Donc ça veut dire que bah lui, quand il va se rapprocher au prochain tour, il va prendre un coup. C'est pas cool. Ici, j'ai attaqué déjà. Là, je ne peux pas attaquer. Là, j'ai attaqué, j'ai attaqué. Tac-tac. Et voilà, tour suivant. Hop, tu vas te soigner. Oh, j'en fiche zéro. Je vais améliorer mes pièces. Ouais, je vais essayer de choper plus de pièces. Si je fais ça, je vais prendre cher. Pendant tes dents. Ah ouais, du coup, bon, là c'était un échec complet. C'était une connerie. Hop. Deux chevaux, découvrir un cavalier. Recruter un cavalier. Pâturage, produit, ouais. C'est quoi? Ça augmente les dégâts ce tour, d'accord. Ouais, ce qui est plutôt sympa.
C'est bizarre qu'il me repropose à chaque fois, je comprends pas. Revenu de nourriture, on va greffer. Je n'ai pas vraiment besoin, mais. Ici, tagueclop, soin de soin. Merde, je peux attaquer, couillon. Oui, parce que en fait, il est relativement en forme. Bim, le flanking plus 4. Il fait du bien. Hop, plus 3 diamants, ça fait du bien aussi. Et les suivants. Ça sera là. Il reste 4 de mouvement. C'est fort. Ça va vraiment très très vite. À lui, à mon avis, je vais pas y arriver en fait. Je sais pas trop comment je suis susceptible d'arriver. Je vais me faire une petite plante. Ouf. Ah oui, non, si lui c'est. Il est relié à cela. Donc il peut pas me faire grand chose. Ah, le guerrier. Je prends. Plus de nourriture. Hop. Alors, ça, je vais le construire bah là, puisque j'ai un bonus. Nice. J'ai un bonus en fonction du nombre de. Ah non, c'est des bâtiments. Oui, c'est pas un bâtiment. Ouais, c'est pas ouf. C'est une carte. Ah oui, ça fonctionne que deux fois. Oui. C'était vraiment pas ouf. Hop, utilisons ces schémas pour nous déplacer. Ouais, là non plus, je peux pas lui tirer dessus du coup. Il reste combien de vie? 6 et moi 7. Ouais, je vais terminer celui-là, ça me donnera. Pourquoi? Ah, j'ai déjà attaqué avec lui. Je me souviens déjà plus. Oui, du coup, autant être ici. J'aurais au moins le bonus d'être sur la colline. Toi, tu te déplaces lentement. Hop. Et j'ai 12 de bouffe, et donc je vais arriver à mon objectif. C'était d'avoir tout plein de cases. Bim! Ouais, l'oracle et le marché. Alors, sélectionner. Ah oui, bah d'accord. Ok, bon, bah ça termine la partie du coup. Alors, je peux quand même faire encore un tour. Alors, attends. Est-ce que je peux arriver à me faire un grenier en plus? Ça, là, j'ai un peu les boules parce que j'en suis à 9 sur 10. Avec mes deux greniers, il me faudrait un sel de plus. Ah. Il faudrait que j'arrive à drafter et améliorer, ce qui est à peu près impossible. Du sel, un diamant ou un grenier en plus. Mais que j'arrive à le construire en instant. Ce qui n'est pas possible. Piocher deux cartes.
Ouais, une mine. Ah si. Il faudrait que je puisse l'améliorer et je peux pas. Fèche. Une petite mine de fer, mais bon. Ça changera rien au problème. Bien. Un peu dégoûté. Là, hop. Oui, sauf qu'à travers les arbres, je vais pas pouvoir te tirer dessus, coucou. C'est trop. Eh oui. Bon, bah c'est toi qui vas le tuer. Ou pas. C'est un énorme échec. C'est un plus qu'énorme échec. Toi, tu vas te prendre une volée de flèches dans les dents. J'arrive pas à le tuer. Bon, je peux terminer en vous montrant ce qu'apporte le marché. Hein. Donc, on peut acheter ou vendre. Et donc, bah, plus on achète, plus le prix voilà, augmente. Et puis, à force, le prix des provisions, des matériaux va lui aussi augmenter. Et donc, ça peut permettre, en fait, pour obtenir ce succès-là, j'imagine, eh ben, il faut arriver à en accumuler tellement, enfin, en acheter, en acheter, en acheter, jusqu'à ce que le prix arrive à plus de 10. Et ensuite, on en revend. Mais c'est quand même pas évident. Bien. Ben, en même temps, ça me fait terminer ce let's play, puisque. Quel que soit le... Victoire. Donc j'ai débloqué une nouvelle carte, payée en bois pour retirer des cartes et gagner payée en bois pour retirer des cartes et gagner en production de bois. D'accord. Voilà, et donc je la retrouverai sur un prochain run. Et j'ai gagné 43 de prix. Quirks. Oui, voilà. J'espère que cette partie vous aura plu. J'espère que la démo vous intéresse. Hein. N'hésitez pas à tester par vous-même. Je rappelle que le jeu est actuellement disponible en démo gratuite, bien entendu. Il est encore en développement et il sera un jour jouable en entier. Avec la Renaissance, avec l'ère moderne, etc. On verra ce que ça donnera. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker, à mettre des commentaires et à nous rejoindre sur Discord. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.